c'est pas facile à prendre comme décision. Il y a tellement de choix. Non, c'est des grosses crêpes que tu vas me donner. Il manque juste nos fruits. Ça va être bon. Je viens de revenir à la maison. Je suis tellement pleine, je m'endors. Je m'apprêtais à filmer les deux vidéos que j'avais dit que j'avais perdues. Fait que je vais faire ça tout de suite. Bon, fait que je me suis rechangée. J'ai terminé de filmer avec ma brassière qui traîne en arrière, c'est cute. Je me suis rechangée. J'ai terminé de filmer. C'était moins facile aujourd'hui que la première fois, ça devient un petit peu moins, ça venait un petit peu moins naturellement, mais hein, il faut ce qu'il faut, oups. Fait que là, j'attends tôt, on s'en va, faut retourner au Best Buy, avoir su, j'aurais juste tout acheté là. Mais parce que dans le fond, son père, il nous a acheté demandé d'acheter un speaker pour quand on allait aller les rejoindre pour eux, là, pour qu'ils laissent là-bas. Fait qu'on en a trouvé un au Best Buy pour vraiment pas cher. C'était un Sony quelque chose, je me souviens plus quoi. Fait que on va aller chercher ça. Je sais pas si on va aller au gym. We will see. It's been a while. On va faire un souper ce soir pour le départ à mon frère, pour fêter qu'il s'en va. Hein? Il part demain, fait qu'on a décidé de se faire un souper fondue. Fondu, légumes, accompagnement, viande, fromage. C'était bon le souper. Je suis bourré. Ouais, c'était vraiment bon. Puis, c'est vraiment l'heure d'aller se coucher bientôt. Je me sens de même. Bon lundi, en direct de l'aéroport ce matin. Ça va porter mon petit frère. Ça va porter mon petit frère à l'aéroport parce qu'il s'en va pour un mois en Asie. Fait que je pense que j'en avais parlé, mais on est là, c'est le moment. On va l'étape. 4h30, puis là il est 1h, fait que je devrais être pas mal à temps. Est-ce que t'es stressée? Un peu. Un peu? Je me dis qu'après je suis par moi, pendant un mois. J'ai pas d'aide, en fait, je fais pas l'aide du monde que je vais rencontrer, mais comme je dois juste compter sur moi. Mais tu vas grandir en tant comme... Exact. Departure. Comment tu te sens? Des nouvelles expériences à vivre. Non, ça va être malade. J'ai pas vraiment d'attente, fait que je peux pas être déçu, mais comme c'est sûr que ça va être malade. Ouais. C'est certain. Bon voyage, mon gars. C'est prudent. Bon, Bye! Aéroport de Montréal. Il est là! On le voit, il est là! C'est émotif. Ça va bien aller. T'as faim? Ouais. On vient de revenir à la maison, ça fait pas très longtemps. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon du Five Guys, sans blague, on en mange pas souvent, mais... Sauf que là, faut que je fasse attention. Je m'étais dit que j'allais faire attention justement avant qu'on parte en voyage à ce que je mangeais, fait que... C'est le dernier mauvais repas de la semaine. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Je suis revenue du Costco. J'ai été acheter quelques petits essentiels. Rien de fou, j'ai acheté des clémentines, du savon puis du poulet. Bien basic. Fait que là, j'étais en train de préparer le souper puis j'ai décidé que j'allais faire un petit meal prep pour les prochains jours parce que on a beaucoup de choses qui s'en viennent et puis je me suis dit que tant qu'à avoir du temps ce soir, j'allais faire ça. Fait que notre souper de ce soir, ça va être une poêlée de légumes et de crevettes avec un petit peu de riz. C'est sale, désolé. Et j'ai également les patates qui sont en train de cuire. La seconde recette que je fais, dans le fond, c'est une casserole lentilles, riz et fèves noires que j'avais trouvé, je suis tellement greasy, que j'avais trouvé sur Pinterest, mais malheureusement, je sais pas pourquoi les liens Pinterest, je suis plus capable de les voir. Je sais pas si c'est seulement mon compte ou quoi que ce soit, mais tous les liens de recettes, choses comme ça, je suis plus capable de les voir. Fait que ce que je fais, c'est que je prends de Ricardo la recette de casserole mexicaine burrito, qui est une autre recette que j'adore infiniment. Mais je fais simplement remplacer le bœuf haché, la viande, dans le fond, par des lentilles. Et c'est délicieux. Fait que si jamais vous voulez la recette, allez voir celle de Ricardo. Et puis, je vais également faire mariner mon poulet pendant 24 heures qu'on va manger ça demain soir pour le souper. Ça risque d'être délicieux quand on le laisse mariner comme vraiment longtemps. C'est tellement bon. Fait que je vais vous montrer la recette pour ça dès que je suis rendue là.
voici ce à quoi ressemble la casserole. Ça a l'air vraiment bon. Ça, je vais en congeler une partie, comme ça on va en avoir à un autre moment donné. Ça, c'est notre souper. Fait que j'attends juste que le riz soit prêt avant qu'on mange. Et puis le poulet, je le fais dans un sac Ziploc comme ça que je laisse mijoter pendant justement 24 heures. Fait qu'il y a deux poitrines de poulet là-dedans. J'ai mis sauce barbecue, huile d'olive, citron, poivre, sel et ail. Et des épices, je me souviens plus lesquelles autres. Fait que ça, dans 24 heures, ça va être bien bon. Tadam! Piri 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 piri. Bon appétit, Charlotte! Bon mardi, j'espère que ça va bien. Alors, je m'apprêtais à partir, mais je vais juste montrer qu'est-ce que je portais avant. Je filais le outfit gris, fait que j'ai mon manteau qui vient du Zara. Il fait un petit peu plus chaud ces temps-ci, c'est pour ça que je me permets de le porter. Chandail qui vient, qui est juste un chandail noir bien normal, qui vient d'Urban Planet. Mes jeans gris foncé qui viennent du H&M. Puis mes bottes du Urban aussi, que je viens de cirer, fait que ça fait du bien. Quand même pas mal. Deux meetings ce matin, fait que... J'ai un meeting dans une heure à peu près, mais je dois aller porter quelque chose en tôt avant, fait que, let's go. Je viens d'arriver où est-ce que j'ai mon rendez-vous, je suis comme vraiment d'avance. Je pensais qu'elle allait avoir plus de trafic que ça, mais bon, c'est pas grave, je vais en profiter pour faire d'autres petites choses. Fait que dans le fond, je venais rencontrer une fille parce qu'on voulait peut-être faire un projet de collaboration ensemble, elle avait besoin d'une vidéo, puis en tout cas, on va voir. Alors, c'est ça, fait que je vais... Je vais attendre qu'elle arrive. Fait, je pense que je vais rentrer puis je vais aller l'attendre en dedans pour qu'on commence à travailler sur tout ça pendant ce temps-là. Je vous retrouve où je vous avais laissé il y a quelques heures. Le meeting s'est super bien déroulé. Elle est tellement gentille, c'est fou, c'est tellement le fun quand on rencontre du monde comme ça. Alors là, je retourne à la maison. Il faut que j'aille travailler encore un petit peu, que j'aille étudier encore un petit peu, comme d'habitude. Je viens de revenir à la maison, puis j'ai reçu quelques petits paquets de choses que j'avais commandées. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Oh, fait que le premier paquet est du Urban Planet. Je vais commander des trucs pour le voyage. Même si je sais que je viens de faire un haul, je suis très consciente de ça. Mais il y avait une promotion. J'ai pris ces souliers-là, c'est des souliers à talons hauts, sandales avec un gros talon parce que c'est à peu près les seuls souliers avec lesquels que je suis capable de porter qui sont à talons hauts, fait que j'ai pris des 8, mais je regarde ça de même puis je pense qu'ils vont être trop grands. Sinon c'est pas grave, je vais juste aller chercher des 7. J'ai également pris un petit jumper noir. Wow! Fait que, comme ça ici, avec une petite ceinture, avec une petite corde qui s'attache à la ceinture, off the shoulder, serrée en haut. Fait que ça, pour le voyage, je me disais que ça allait être vraiment beau. Puis du noir, je porte ça tout le temps. La grosse boîte maintenant, je sais ce que c'est. C'est un chapeau! Fait que c'est les chapeaux comme ça. Alors, il était en... C'est le chapeau que je vous parlais dans mon dernier vlog qui était en rabais au Spring puis que finalement, il n'y avait pas. Alors, il était 10$ en rabais puis ça fait un moment qu'on voulait en acheter un pour faire des photos autant pour Anto, sa compagnie, que pour Instagram. Puis là, on se disait qu'à 10$, ça valait quand même pas mal la peine. Un petit colis comme ceci. Ouh! Je fais une collaboration avec Firmo bientôt, qui est une compagnie de lunettes. Puis j'ai choisi un style de lunettes vraiment différent de ce que j'aime, ben de ce que je prendrais à l'habitude. Ils sont comme ça. J'aime tellement ça. C'est poche que je puisse pas les porter par exemple quand je fume. Mais j'y trouve trop belle. C'est vraiment différent pour moi, mais il n'y a aucune vue là, c'est simplement esthétique. Fait que ça, je suis très contente. Et le petit dernier de chez Ardennes, il y avait une promotion là aussi. Là, j'arrête après pour vrai, promis. J'ai commandé deux petites choses. Premièrement, une jupe comme ça ici, lignée, blanche et noire.
Je trouvais le tissu est vraiment trop, il a de l'air trop confort. Puis je trouve que c'est le genre de pièce que tu peux mettre soit mettons quand t'as des soupers que c'est cute pour que ce soit un petit peu plus chic ou vraiment juste le jour pour que ce soit plus relax. Puis un top off the shoulder, crop top comme ça ici à manches longues gris parce que j'en ai pas de gris puis à manches. Puis je me disais que ça faisait différent de tout ce que j'ai noir fait que j'ai bien hâte de porter ça. Je m'en allais préparer le souper, fait que je vais faire le poulet qu'on avait préparé hier. Ça va être pas mal bon. Et je pense que je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous voulez que je continue à faire ces vlogs-là. Et puis, nous, on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!